Alors bonjour les petits potes, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo intéressante comme les autres, j'espère pour moi ainsi que pour vous. Alors aujourd'hui le concept de cette vidéo est très très intéressant. Alors comme vous le savez, on a fait 6 ou 5 vidéos, je ne me rappelle plus. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment faire un montage vidéo. Mais ici on va mettre un photomontage. On va pas le mettre sur Photoshop, mais sur de GIMP, sous le nom de GIMP en français, si vous le voulez. Alors, on va l'obtenir en version française. Alors, cette vidéo sera composée de deux parties. La première partie est comment télécharger cette application, et la deuxième partie est comment s'en servir. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce qu'on va faire. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Donc, vous allez taper sur la Google téléchargement. Alors, n'oubliez pas. De GIMP gratuitement. Voilà. Alors, le premier lien sera 01net.com. Vous allez cliquer dessus. Alors, ici, vous le voyez bien, c'est 4,5 noté par plusieurs utilisateurs de GIMP et de connaisseurs. Alors, je vais avoir la version 2,10. Alors, c'est un logiciel libre. Ça vous prendra juste un peu de place de 230 mégas. Vous pouvez l'avoir sur Windows 7, 8, 8.1, ainsi que 10 ou 11 si vous voulez. Et alors, vous pouvez avoir cette langue française. Alors, vous allez mettre télécharger gratuitement. Et après, on se retrouve dans l'application. Donc, on se retrouve à nouveau dans l'interface d'éditeur image GIMP. Alors, pour insérer une image, vous allez cliquer sur Fichier, Ouvrir. Vous allez choisir l'image que vous voulez. Alors, je vais choisir Bernabéu car je suis un fan du Real Madrid. Voilà. Alors, vous allez recliquer sur Fichier, Ouvrir. Pour insérer une image sur une autre image, alors on va faire l'image de Perez 2016. 500 kilooctets. Cliquez deux fois dessus et convertir. Alors voilà, l'image est là. Alors je vais la rétrécir car je la vois très grand. Vous allez cliquer sur image, échelle et taille de l'image. Vous allez rétrécir un petit peu ceci. Je vais faire 600, pourquoi pas 650, mise à l'échelle. Alors voilà, maintenant pour insérer cette image dans cette image, vous allez cliquer sur ceci et sur ceci. Quand vous allez cliquer ici, vous allez faire comment? Comme ça. Alors je ne suis pas très précis, mais ça fera l'affaire. Alors voilà, alors vous allez la copier. Alors on n'a plus besoin de ces langues, on va la supprimer ou pas si vous voulez. Alors on va mettre coller. Voilà, on va la mettre comme ça. Alors voilà notre image. On va dire pourquoi pas photomontée. Alors c'est le directeur du Real Madrid avec son stade. Alors ce n'est que des astuces, mais il y aura encore plus. Alors si vous voulez ne pas mettre un autre ouvrir, vous avez juste ouvrir et ouvrir autant que calque. Vous pouvez le faire. Alors vous aurez la même chose.
Alors, c'est la même chose, mais c'est la plus pratique. Alors, moi, je vous l'ai montré. Alors, c'est plus pratique. Je vous conseille de l'utiliser. Alors, celle-là, c'est pour régler le seuil. Alors, ici, c'est pour régler le seuil. C'est ici pour vraiment pour juste déplacer. Ici, pour zoomer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je vous conseille d'utiliser des pieds, mais je ne vous ai pas montré tout ce que même moi je sais sur des pieds, mais c'est qu'une astuce si vous voulez. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si le contenu vous plaît, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et merci.